Admirez-moi cette petite vue sympathique. Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode. 13, 13, c'est l'épisode de la chance, les amis. Bon, on est toujours sur nos expéditions frontières avec la jungle, mais nous allons surtout nous concentrer, comme promis, à l'eau. Voilà, on a visité les 5 épaves. Maintenant, il faudrait qu'on visite 5 ruines sous-marines et surtout qu'on trouve des coffres intéressants. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. On a récupéré Earth of the Sea, on a récupéré Nautilus Shell. Ça va nous servir à absolument rien, mais nous avons ça et ça, c'est cool. On va jeter le sable, on va essayer de faire le tri, on va jeter le diamant, ça sert à rien, je rigole, lol. Du coup, attendez, non, par contre, faut qu'on fasse de la place dans notre inventaire parce que là, ça va pas aller du tout. Ce que je vous propose de faire, on va faire une table de craft. J'ai bien fait d'avoir ramené du bois. Putain, mais c'est trop stylé. C'est trop joli. On va, ce qu'on va faire, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, on va faire ça. Voilà, tout simplement, je pense que c'est le meilleur des trucs à faire et je pense que, avec un peu de chance, je n'ai pas de chance. Voilà, ça c'est fait. Pareil pour le fer, du coup. Hop. Voilà. Bah là, tout de suite, ça fait plus de place. Hein. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que je peux jeter, vraiment? Je vais quand même garder ça, parce que ça reste des trésors quand même colossaux. Colossales. Mais non, bah écoutez, je vais garder... Non, attendez, ici. 5. Non, ce sera un pair. Bah, c'est pas grave. Ça fait toujours de la place. Je fais bout par bout. Ah non, je peux pas, ça fera pas moins de place. Dommage. Dommage, dommage. Bah écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on va jeter... Oh, ça me saoule. Voilà, je suis énervé, je jette tout. Allez, on y va. On est parti. La tête sous l'eau, bien évidemment. On va continuer direction nord-ouest, hein, directement, je pense. Ah, ça, c'est cheaté. Mais là, au moins, attendez. Ah bah voilà. Eh ben regardez, il y a une épave là-bas. Non, l'épave là-bas, on l'a déjà vue. Hein. C'est celle qu'on a justement vue dans le dernier épisode. Puisque, je crois. Bah oui, c'est là où on a trouvé la carte au trésor, les amis. Voilà, parfait. Donc on continue. On continue, on continue. J'espère que vous êtes au taquet. J'espère que vous kiffez cette série. Oh, j'avais oublié. La touche mage, ça me fait avancer. Là j'ai les mains. Voilà, je suis libre. Je peux même ouvrir mon inventaire. Et ça avance tout seul. Et ça, c'est quand même relativement cool. Disons-le, j'ai trouvé la technique pour voir sous l'eau, c'est incroyable, je suis très heureux. Alors c'est un peu compliqué, ah voilà, c'est parfait ça. Et on a encore un biome jungle, ouais, on est vraiment entouré de jungle, mais c'est incroyable. On va continuer par là. Ce serait stylé de... Franchement, vous savez quoi? Parce qu'on en a pas encore vu, mais ce serait incroyable de voir des requins et des baleines. Parce qu'il me semble qu'il y a des baleines, si je dis pas de bêtises. Je vais pas dire de bêtises, mais... Ce serait incroyable. Hop, ok. Ce qui est pas mal de faire ça, c'est que ça permet aussi de voir à l'extérieur en même temps. Donc c'est complètement cheaté. Mais du coup, si jamais on peut voir un temple en même temps, bah c'est quand même bingo, quoi. C'est relativement bingo. Par contre, là, j'ai l'impression que je me fais arnaquer. J'ai totalement l'impression de me faire arnaquer, ouais. Ah, j'aime pas me faire arnaquer comme ça, les amis. Bon, c'est pas grave. On fait demi-tour. Je me suis mis dans une sauce pas possible. Nous sommes tellement loin de notre base. Heureusement, nous avons un stock de nourriture assez colossal grâce aux villageois. Ah, mais attendez, mais c'est qu'il y a quelque chose. Mais attendez, mais arrête-toi. Mais attendez, mais on vient de trouver une ruine. Mais c'est incroyable. Mais c'était inespéré. On vient de trouver une ruine. Mais MDR. Je pensais pas qu'on pouvait en trouver comme ça. Comment on va faire? Oh, le soleil qui se couche déjà. Comment on va faire? Ça va, ça casse vite. On va se faire une entrée. Alors, il n'y a pas de zombies noyés. Enfin, j'en entends pas en tout cas. Il y en a un. Il y en a un. Enfin, il y en a un, je sais pas, mais j'ai entendu... J'ai cru en entendre un. C'est peut-être dans ma tête. On va attendre juste que le soleil se couche. Vous m'excuserez, histoire qu'on dorme tranquillement. Je regarde, j'en profite, hein, s'il n'y a pas un petit temple en vue, pas très loin, mais visiblement non. Oh, c'est magnifique, mais regardez-moi ça. Mais laissez-moi faire des screenshots incroyables. Non, mais c'est quand même... Mais putain, mais ce jeu, quoi. Hein. Minecraft, hein. Ça y est, bon, maintenant, les gens ont enfin compris que Minecraft est un jeu incroyable, mais c'est ouf, quoi. C'est ouf. C'est ouf. C'est de toute beauté. Allez, bonne nuit, les petits. N'oubliez pas le pouce bleu. Hop. C'était où? C'était là.
J'ai cru entendre un zombie noyé, mais en fait, je pense que c'est juste les bulles. Non. Adieu. Putain, mais il me fait peur, je l'entends. Il doit être bloqué. Il y en a un. Les gars, je sais pas comment rentrer. J'ai peur. Je suis une putain, mais je suis une lavette. Mais c'est pas possible. Mais je suis un froussard. Allez, on y va. On va bien réussir à rentrer là. Ouais, mais le sable en fait il me fait chier. On va y arriver, on va y arriver. T'inquiète. T'inquiète, je gère. Alors. Putain, mais il est où? Mais il est où? Non, mais attendez, mais c'est un sketch. Je l'entends, mais il n'est pas là. Non, là, les amis, ça me frustre. Je veux l'avoir. Non, mais il est là, il est en dessous. Allez, pose-toi. Mais c'est pas possible. Mais... Allez, dernier essai. Et après, on se casse, mais c'est pas possible. Il va être là, il va me... Non, mais là, c'est... Là, c'est trop, là. Je vais mourir. Eh, hey, par contre, faut pas que je meure, hein. Je suis un petit peu trop loin de ma base là pour mourir quand même. Je suis à 8000 blocs. Attendez. Soyons pas fous non plus. Par contre, j'ai cru voir un coffre. Alors attendez, je vais pouvoir me vider un peu de ce que j'ai. Voilà. Allez, on y retourne. Non, là par contre, vraiment, je comprends pas là. C'est un coffre? Ah oui, il y a un coffre. Une carte au trésor, du charbon. Ok, bon au moins on aura récupéré le coffre. Il y avait rien dedans, mais... Alors le zombie noyé, je sais pas où il est. Mais on va aller le laisser tranquille. Hein. Je... Là... Moi pas comprendre. Alors, est-ce que c'est chez nous ou pas là? Oh, let's go. Deuxième chasse au trésor qui devrait être plutôt facile. Ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est bon. Allez, c'est sur la terre. Ça fait le plaisir. Bon, le zombie noyé, j'ai pas tout à fait compris. Mais soit. Soit. Allez, c'est parti. Petite perte de temps en ce début d'épisode. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Alors, c'est juste ici. Ah, c'est au bord de l'eau, ça me fait un peu chier. Ouais, ça va. C'est juste là. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un accès là? Putain, j'ai eu tellement peur. Si vous saviez. Oh, j'ai eu tellement peur. Les blocs qui s'effondrent, mais c'est ma hantise. Ça, eh mais ça, à tout moment tu meurs, hein. Oh là là. Refais plus jamais ça. Bah du coup ça va nous aider en fait. Ça va nous aider de ouf. Puisque c'est censé être là. Ouais, ça va nous aider de ouf. Je regarde juste où c'est que c'est. Hop. Bah, c'est juste là. Juste faire gaffe au sable. Ça va nous aider de rien du tout, mon pote. Ça va plus nous faire chier qu'autre chose. Excusez-moi. Avec une pelle, ça aurait été quand même bien mieux. Je suis pas l'un des meilleurs. Hein. Ouais, c'est là. Ça a quelque part ici. Bah attendez, j'ai des torches ou pas? Bien sûr j'ai des torches. Hop. Non mais là, les gars, je suis un bouffon ou quoi? Voilà. Y'a rien. Y'a rien.
Fort intéressant. Ça va m'énerver, ça. Vous le savez, ça. Vous savez que ça m'énerve, ça. Non, mais stop. S'il vous plaît. Je cherche... Bon. Et ben voilà. Il suffisait de... De persévérer, comme on dit. Alors, ça c'est quoi? Oui! Yes! Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, les gars. Mais non! Oh putain! Pardon, pardon, je suis vulgaire, ça y est. Par contre, la prismarine, on peut faire de la lumière avec. Voilà, je tenais à vous le dire. Comment on fait ça? Ah non, mais pour ça, il faut tuer. Non, mais on s'en fout du coup. Non, mais attendez, mais c'est incroyable. Ça y est. Amateur archéologique, nous avons... Nous avons... Alors, c'est pas un collier. C'est un... C'est pour respirer sous l'eau, quoi. C'est pour respirer sous l'eau, tout simplement. C'est incroyable. C'est... Je croque la vie à pleines dents. Attendez, on va essayer. On va essayer. Alors, voilà. What the fuck? Eh, venez, on se les fait. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? On va se les faire. Nous, d'ailleurs. Attendez. Non, vous savez ce qu'on va faire? Oh, oh oui! Attendez, ça tombe trop bien. Partez pas fâché. Ça tombe trop bien. On va faire de la place dans notre inventaire. De manière logique. Voilà. Quel bonheur. Quel bonheur. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Je vais jeter ça. Et donc, en fait... Ça, ça vient du mode, justement, où on peut trouver des colliers dans des coffres. Donc là, c'est pas un collier, c'est encore mieux. Comment ça fonctionne? J'imagine c'est comme ça. Yes. Yes. Et du coup... Bah ouais. Alors je pense que si je vais plus profond, ça marche pas. Oh, salut toi! Tu tombes à pic. Bon, t'as rien sur toi, mais... Voilà. On va essayer d'aller sous l'eau. Là, je pense pas que je puisse respirer. Mais non, mais ta gueule. Mais non, mais arrête. Mais c'est trop bien. Oh, des crabes. Mais c'est trop bien. Mais regardez ça. On peut respirer sous l'eau. Non, mais excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est juste génial. Mais ça y est, quoi. Mais non, mais c'est pas possible. Non, mais on va... Eh, les gars, je suis désolé, mais on va continuer... On va continuer nos aventures. En plus, ça ne m'enlève pas le casque. C'est vraiment un truc à part entière, là. Tu vois, on peut mettre des chaussures, des gants, j'imagine. Des colliers, du coup. Mais non, mais c'est incroyable. Est-ce que ça casse? Je pense même pas. Hein. Je pense même pas que ça casse. Hein. Oh, mais c'est incroyable. Comment vous dire? Je pense que vous êtes tous d'accord. Oh là là, c'est phénoménal. Mais je suis tellement content. Bon, eux, on va se les faire là-bas. Hein. Il faudrait que je me refasse un bouclier. Ça tombe bien, je peux m'en refaire un. Hop, parce que le mien, il va quand même me lâcher incessamment sous peu. J'adore cette série. J'adore cette série. Ok, je vous le dis. Là, ça change tout. Ça change complètement. Non, mais vraiment, ça change. La série prend un tournant. Comment dire? C'est incroyable. Qu'est-ce que je peux jeter? On va acheter ça. Toujours garder des blocs. J'ai bien fait d'avoir ramené du bois quand même. Voilà. Ouais, j'allais dire je range mon inventaire. Bon, c'est pas rangé, mais histoire de juste de m'organiser un petit peu, que je comprenne quelque chose. Donc ça c'est bon, j'en ai plus besoin non plus. La chair putréfiée, je vais la garder. J'en ai beaucoup d'ailleurs. Je vais la garder parce qu'on peut faire des échanges avec. Donc c'est relativement phénoménal. Hop, on récupère. Oh, c'est bon ça, c'est bon ça. Bon, j'espère que vous êtes d'accord avec moi du fait qu'on va continuer ces aventures parce que... Il est où mon bateau? Il est là. J'ai eu peur. Allez, c'est bientôt fini. On va tout faire cuire, évidemment. Je vais... Non, je vais pas récupérer la table de craft. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Allez, c'est fini. Je peux récupérer le charbon. Hop. Parfait. On va quand même récupérer les fours. Si déjà... Allez, non, attendez, il va faire nuit, il faut que je dorme. Est-ce qu'ils sont encore là au moins, les pignoufs?
Attendez, mais ils sont plus là, ils ont des pop. Mais non. Mais non, mais c'est chiant, moi je voulais me les faire. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va y aller. Oh là 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 là, c'est beau. Bon, c'est... Je vais pas refaire le même screen. Ouais, 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 vous allez me laisser dormir, les copains? Moi, j'ai besoin de silence pour dormir. Oh! C'est quoi? C'est la lune? Ah ouais, c'est la lune. Eh, hey, on se calme. Allez. Bonne nuit à tous. Ah, je suis content. Mais je suis content. Mais vous vous rendez compte? Mais on peut respirer sous l'eau à l'infini. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Allez. C'est parti. On va pouvoir vraiment mais aller sous l'eau comme on veut. Et sans problème. Oh là là, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Là-bas, j'ai vu un truc, mais je pense que c'est un temple sous-marin. Et c'est pas ça que je veux. Alors du coup, les ruines sous-marines, on en a visité une sur les 5. Puisque du coup, on a même ouvert un coffre. Même si on n'a pas trouvé les zombies noyés à l'intérieur, mais bon, c'est pas bien grave. Bien au contraire. Alors, va-t-on trouver des choses intéressantes encore? Je l'espère bien. Et dans les profondeurs des abysses, parce que moi je peux respirer sous l'eau et ça c'est vraiment phénoménal. Des petits zombies noyés, je suis pas contre. Là-bas c'est des poulpes. Ok. Oh là là, quel bonheur, mais quel bonheur! J'en reviens pas, hein, qu'on a. J'en reviens pas. Alors je vais être très honnête avec vous. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas que le mod nous offrait ça. Moi je sais qu'on a une tenue de plongée. Donc attendez, donc je vous l'ai dit. Dans tous les cas, il nous la faut. Hein. Scuba, voilà. Moi, je pensais qu'avec ça, ça nous permettait... Mais ça vient de quel mode, du coup? Je sais même pas de quel mode ça vient, j'ai oublié. Mais... Non, ça vient pas de Scuba Gear. Ça vient du mode avec les colliers, justement, etc. Bref. Moi, je pensais que... Enfin, je savais pas, en fait, qu'on pouvait avoir ça. Et je vais pas vous mentir, mais c'est incroyable. Du coup, on a même pas besoin de tenue de plongée pour pouvoir respirer sous l'eau. Par contre, comme c'est notre objectif dans le Monument de la Victoire... D'avoir une tenue de plongée. Et bien évidemment, on va faire en sorte d'en trouver. Regardez. Une baleine. Une baleine. Mais il se passe trop de choses punaises dans cet épisode. Mais c'est incroyable. Ah non, c'est un orque. Pardon. C'est un orque. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh là là. Qu'est-ce que c'est mignon ça quand même. Oh là là. Bon, excusez-moi. Ouais, je pensais que c'était une baleine. Je me suis enflammé. De loin, elle paraissait grande et en fait... Pas si grand que ça. Par contre, je reviens direction notre île, je viens de remarquer. Donc, on va continuer direction nord-nord-ouest. Waouh. C'est gracieux. C'est gracieux, un orque. Très bien. On n'a absolument rien là. Alors là, on n'a aucune chance. On va faire la technique. Comme As là. Ok. Il n'y a rien, mais tout va bien les amis. J'espère que vous kiffez la live, hein, tout simplement. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sortira, si j'ai bien calculé mon coup, nous serons lundi 12 juillet. Et si c'est ça, eh ben n'hésitez pas à me piper. Du coup, est-ce qu'on pourra éventuellement trouver quelque chose? Putain, en plus c'est profond quand même là, il peut y avoir des... Il pourrait y avoir des choses sympas. Bon, on voit bien sous l'eau, ça c'est cool. Un zombie noyé. Alors là, je ne vais pas te louper mon copain. Le zombie noyé. Ali Boumaillé. Et il y a un bateau, une épave juste en dessous d'ailleurs. Je le vois sur la map. Il est où le coco? Il y en a plusieurs. Oh oui! Tire-moi dessus! J'adore quand tu me tires dessus. Aïe. Par contre, ça fait mal. Moi, je veux récupérer ton truc. Putain, mais il est énervé, hein. Par contre, faut pas que je crève. Hein.
Ouais, faut pas que je crève, hein. Là, il faut pas que je crève, hein. Ce serait quand même vachement fort embêtant. En plus, je le vois pas. Je sais pas où ils sont. Il a pas l'air de vouloir monter la surface. Je sais pas où il est. Attendez, elle est où l'épave? Là. Je sais pas où il est. Ils sont où? What? Là. Putain, il est chaud, hein. Dans la putain de merde, les gars, je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce tomate. Quoi? Ok, les gars, je vous fais une ellipse. Il faut que j'enlève le shader. Il faut que j'enlève le shader. Ouais, les amis, je suis désolé, je vous l'aurais compris. Je sais que c'est pas le truc le plus agréable. Mais c'est une question de vie ou de mort. Et en fait, il est où? Ah merde. Attendez, en enlevant le shader, c'est encore pire. Enfin non, c'est pas pire, mais... Je sais pas où il est. Merde. Il est où? Non. Là. Là au moins on voit. Allez, viens. Oh non, putain, mais je vais crever. Oh, vas-y, tire sur ton zombie, là. Voilà, vas-y. Vas-y, bute-le. Voilà. Oh, il a droppé quelque chose. Il a une fréquence. Enfin, il a une cadence de tir, c'est gigantesque. Hein. Il me tire encore dessus, en plus. Putain, il est énervé, hein. Il est énervé, hein. Je le vois pas, mais je vois son trident. Là, j'ai vu son trident. On va se le faire, il lui reste plus grand chose comme vie. Il est où? Là. Toi, t'es mort. Non! Il m'a pas looté. Il a pas looté son trident. Oh, le seum. Le seum. Bon, sans shader, on voit mieux, hein. On est tous d'accord, hein. Putain, quel bonheur de respirer sous l'eau. Si je l'enlève. Non, je vais pas le faire. Soyons pas bêtes. Ok, bah c'est tout. C'est dommage. Sincèrement, c'est dommage. J'aurais bien... Franchement, s'il m'avait looté son trident, mais mec, mais ça aurait été la fête à la saucisse. Je suis déçu. Il n'y en a pas d'autres? Ah, oh, je suis déçu. Bon, on va continuer dans la même direction. Sans shader, du coup, les amis. Vous l'aurez compris. Ça va, en vrai. Je me disais, ça faisait moche. Ça va. On s'y fait. C'est juste le temps d'être dans l'eau. Ah, et au moins, ça nous permet de ne pas passer à côté de ça, par exemple. Ah oui. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ah non, je pensais que c'était un... Je pensais que c'était une ruine, mais en fait, non. Je sais pas pourquoi il y a de la lumière. What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a de la lumière? Je vais dans la gueule du loup. Oh, énorme. Oh, je veux. Je veux ça, c'est quoi? Ah bah d'accord, c'est de la prise marine. Je découvre le jeu, hein, globalement. Ok, déception un peu, déception. On va jeter... Là-bas, on a une épave. On va la prendre parce que petite carte au trésor, pourquoi pas. Là-bas. Y'a rien. Si là-bas, y'a une épave aussi. Y'a des épaves partout, mec. Bah elle est où l'épave?
Je suis aveugle. Là, c'est bon. J'ai rien dit. Excusez-moi, hein, je suis un peu perdu. Je vais pas vous mentir que le fight m'a un peu perdu. Parce que si je meurs là, mais c'est la cata. Hein. Je pourrais plus jamais récupérer tout ce que j'ai. Un globe. Oh, mais c'est trop bien pour la déco, putain. Voilà, tout ça, c'est des objets de valeur qu'on trouve que dans des coffres, tu vois. Genre les colliers, voilà, tout ça pour les objectifs. Et là, on a un globe, c'est trop stylé. C'est quoi ce bruit? Ah! J'aime pas trop. Oh, c'est trop beau. Il y a des bruits, j'aime pas trop. Hein. D'ailleurs, je suis désolé, ça vous angoisse peut-être. Là-bas, il y a un zombie noyé. Ça vous angoisse peut-être d'être sous l'eau. La thalassophobie. Je viens d'y penser seulement maintenant, je suis désolé les amis. Sachez que moi aussi ça me terrifie un petit peu. J'adore l'aquatique, mais ça me terrifie. Cette idée d'être en mode claustrophobe là. Voilà, parfait. Donc je suis navré. Mais vraiment. Du coup là-bas il y a un zombie noyé, il a rien. Donc ça sert à rien. Et lui là-bas, ils ont rien. Putain, il y en a tout plein. Lui, il a un arc. Lui, il m'a vu. Oh, ils ont rien d'intéressant. Oh non, il fait nuit. Là-bas, il y a de la terre. On va aller là-bas. Faut qu'on dorme. Ouais, du coup, let's go. On va aller dormir. On va se faire racketter par les monstres. Donc ouais, je suis désolé. C'est un peu angoissant. Mais sachez que je pense qu'on a tous à peu près la même phobie, si je puis me permettre. Je dis pas qu'on a tous peur de l'eau. Moi, j'ai pas peur de l'eau. Mais c'est les fonds marins qui me font... C'est pas que j'ai peur des fonds marins non plus, mais là, l'idée d'être confronté à moi-même sous l'eau, face à des méchants comme ça, j'avoue, ça fait peur. Je pense qu'on est quand même tous d'accord là-dessus. Et donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Allez, on va bientôt s'en arrêter là pour cet épisode, malheureusement. Ah, attendez, la carte au trésor. Non. Yes, j'y suis. On va y aller. On va y aller. On y va sans shader, les amis. Hein, on va pas perdre plus de temps que ça. J'espère que ça vous va. Et puis voilà, un petit peu un retour à l'ancienne finalement sans shader, j'ai envie de vous dire. On va les récupérer. Parce que carte au trésor, toi-même, tu sais. On peut tomber sur un collier par exemple. On peut tomber sur beaucoup de choses. Et je vais pas vous mentir que ce serait incroyable. Et oh, j'aurais pu rester sur l'eau. Parce que franchement, là, nos péripéties, là, nos trois épisodes, si je puis me permettre. En espérant que ça vous ait plu. Mais ça aura été mais très fructueux. Hein. Sans mentir, ça aura été très fructueux. Hein. Ah par contre, c'est sous l'eau, ça va me faire chier. Oh. Une ruine là-bas. Une ruine, trop bien. Ouais, c'est sous l'eau, c'est un peu relou. C'est juste là. Oh, quel enfer. Mais l'enfer, quoi. C'est la définition de l'enfer. Heureusement qu'on peut respirer sous l'eau maintenant. Ça change tout ça quand même. Oh, ça par contre c'est lent. Oh, je suis content de vraiment de pas avoir ce problème de respiration. Oh, il est jamais si profond. C'est bon, je l'ai vu. Il est derrière. Ça va être casse-couille. Hein. Non, alors autant, il est derrière, donc autant y aller comme ça. Je crois l'avoir vu. Hein. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Allez, on est bientôt. Putain, je suis un connard. Il était pas là. C'est un scandale. C'est un scandale, on y est, il est juste là. Je sais pas où, mais il est là. C'est un scandale. Oh, ça me saoule. Et en même temps, il faut pas rater, quoi. Si on peut ne pas rater ce truc, ce serait incroyable. Ah bah voilà. Et bah alors, c'est qui le boss? Oh, des palmes. Mais punaise, mais c'est pas possible. Mais oh, et du diamant. Mais c'est incroyable. Mais s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Cet épisode est phénoménal. Cet épisode, je vous le dis. Il est phénoménal. Ça, je peux jeter. Je vais reprendre ça pour remonter. Non, mais les gars, je crois que personne se rend compte.
Non, si. Mais attendez, mais c'est incroyable. Là, je mets les palmes. Alors, je dois marcher lentement, je pense. Même pas, même pas. Et là, je vais sous l'eau. Oh là 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 là. Mais c'est n'importe quoi. Je vais plus vite qu'en bateau. Je vais plus vite qu'en bateau. Pour me sortir de n'importe quelle situation, ce sera incroyable. Par contre, il est où le... Je suis allé tellement vite. Non, c'est là-bas. C'est incroyable. C'est un... Et ça s'use pas? Ça s'use pas. C'est incroyable. Non, mais vraiment. Je crois qu'on peut pas mieux terminer cet épisode. Y a pas de coffre, là. Peut pas y avoir de coffre sous l'eau. Magnifique. C'est incroyable. Bon, les amis. De toute évidence, vous allez m'insulter. Mais... Je crois qu'on va s'accorder encore un petit épisode sur nos aventures, d'accord? Mais vraiment un dernier, et c'est promis. Promis, mais vous avez vu tout ce qu'on récupère, et il y a encore énormément de choses qu'on peut récupérer. Et c'est que du bonheur. Donc on va s'en arrêter là pour cet épisode. Dans 2 jours, on va éviter de passer par là. Dans 2 jours, très rapidement, un nouvel épisode. On continue notre exploration. Ça aura fait 4 épisodes, mais clairement fructueux. Et je suis désolé, hein. Mais plus fructueux que ça, s'il vous plaît. Hein. Regardez-moi. Donc voilà, et puis après, on rentrera à la base, ne vous inquiétez pas. Donc, prochain épisode encore sur nos expéditions. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous plaît, parce que c'est juste incroyable. N'oubliez pas le pouce bleu, c'était Mkolo. Et je vous fais plein de bisous. Incroyable. Ciao tout le monde!